vous êtes bien chez Chocmiel. Aujourd'hui, on va faire quelque chose qui change, c'est une boisson, un milkshake. Donc c'est vraiment parfait avec les beaux jours qui vont arriver. Pour l'été, c'est juste mais trop délicieux, hyper simple, très onctueux. Et il n'y a pas beaucoup d'ingrédients, vous allez voir. Tout est composé d'ananas, de bananes, avec de la glace à la vanille. C'est un délice. Allez, on y va, c'est parti. Pour la liste des ingrédients, c'est super facile. Il vous faut 20 cl de lait. Alors le lait de vache, d'amande, de soja, de coco, tout ce qui vous fait plaisir, de la banane, de l'ananas et de la glace à la vanille. Alors, vous allez devoir vous munir d'un petit blender et moi j'ai utilisé de l'ananas frais. Donc vous placez votre ananas en morceaux avec la banane et vous allez mixer. Voilà, quand c'est bien mixé et que vous avez déjà quelque chose de bien onctueux, vous allez pouvoir ajouter donc le lait de votre choix, vous remixez à nouveau. On y ajoute ensuite la glace à la vanille, donc la mienne on voit qu'elle n'est pas très dure, la pauvre glace elle a eu un peu chaud parce que je prépare les ingrédients pour faire les photos pour la vidéo et tout ça, donc du coup la pauvre elle a un petit peu ramolli, mais bon c'est pas grave. Donc vous refermez votre blender et vous mixez à nouveau jusqu'à voilà, obtenir vraiment une texture super onctueuse. Alors si vous souhaitez que votre milkshake soit encore plus frais, vous passez tous les fruits découpés au congélateur pour une demi-heure. Tadam ! Et voici le milkshake avec l'ananas, glace à la vanille et une banane. Trop simple à faire. Donc moi j'ai rajouté de la chantilly, vous pouvez rajouter de la couleur par exemple en découpant une fraise et en la mettant sur le bord du verre, ou alors aussi avec des petits copeaux de chocolat ou des petites confiseries, voilà, comme vous avez envie en fait. On va goûter. À boire super frais. Ah oh, c'est génial, d'enfer. C'est hyper onctueux. La banane apporte vraiment, vraiment beaucoup d'onctuosité. On sent bien l'ananas, on sent vraiment tous les goûts. C'est super frais. Ah ! Je perds ma chantilly. C'est super facile à faire. N'hésitez pas à faire cette recette, à m'envoyer de belles photos sur les réseaux sociaux avec le hashtag Chocmiel. Vous pouvez aussi bien sûr liker la vidéo, ça m'encourage énormément. Commentez, dites-moi ce que vous pensez de cette recette. Et vous pouvez aussi bien sûr vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut! C'est trop bon, hein. Avec ma paille spéciale bubble tea. Oh, c'est trop bon. À faire. Je recommence. On recommence. Qu'est-ce que je dis?